Non. Je vais me présenter. Je m'appelle Dredd. Je suis le chef des BBR. Voilà. Actuellement, il n'y a plus personne. Comme je vous l'ai dit, ils sont tous morts. Ok, si vous avez des questions, allez-y. D'accord, ok, ça marche. Alors déjà, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler de vos anciennes activités ? Oh, je peux le dire, vu que je vais bientôt partir. Alors, mes anciennes activités, trafic d'armes, vente de drogue, kidnapping, etc., etc. Voilà. D'accord. Je peux pas en dire plus. Ok, ok. Et deuxième question, est-ce que vous aviez des ennemis ou des alliés à vos côtés ? Des ennemis, je dirais les SOA. Et puis tous les autres. Et des alliés, personne. Je travaille, on travaillait tout seul. Pas besoin d'alliés. Et puis voilà. D'accord. Et justement, récemment, il y a une vidéo sur les SOA qui est sortie en disant que c'était les meilleurs bagueurs de la ville à menu. Est-ce que vous pensez que cela est vrai ou est-ce que vous avez quelque chose à leur dire ? Alors, j'espère qu'ils verront cette vidéo parce que c'est complètement faux. Quand ils veulent, hein. Si vous venez bien, appelez-moi, pas de problème, je vous attends et je répondrai. D'accord, et est-ce que vous avez un numéro de téléphone à leur transmettre pour qu'ils vous contactent ou alors ils ont déjà moyen de vous contacter Si, je vais leur donner mon numéro de téléphone. 27, 24, 22. Si vous voulez vous battre, appelez-moi, je serai là. Une pas deux, comme on dit. Ah oui, d'accord, effectivement. Et ensuite, est-ce que vous pouvez me dire où c'est que vous cachiez les corps que vous vouliez vous débarrasser, on va dire. Si je peux vous donner un endroit, vous voyez ce lac ? Si vous fouillez bien, vous trouverez les corps à l'intérieur. Avec une jugulaire à l'intérieur. Voilà. J'en dirai pas plus. Ça remonte il y a combien de temps ? 2-3 jours. Après. Oula, alors oui, effectivement, c'est encore assez récent, quoi. Et est-ce que vous avez un message à faire passer à la LSPD ou à la BCD ? Alors la police, je peux dire ce que je veux, je vais bientôt partir de toute façon. Regardez bien ma tête, et regardez bien mon arme. Je tiens à dire un truc, c'est que la police dans cette ville, ils sont complètement nuls. Ils savent pas protéger la ville. Et puis franchement, bah nique la police. Et puis voilà, rien à dire sur la police. Et est-ce que par hasard vous avez un endroit qui vous tient à cœur que vous désirez nous montrer ? Alors pas de problème, je vais vous faire visiter ça. Et puis juste avant, je voudrais dire à 05 et à 17 que franchement ils servent à rien dans cette ville. Et qu'ils vont bientôt mourir aussi parce que j'ai engagé des personnes. Voilà. Et puis dédicace à Alex qui est mort malheureusement. Mais voilà. Voilà. Maintenant suivez-moi. Si vous pouvez prêter votre véhicule, je vais vous emmener à un endroit. Je vais vous montrer notre villa cachée, voilà, personne ne la connaît jusqu'à maintenant. Tout ce qu'il y a à l'intérieur, puis la suite. Voilà, donc on entre par ici. Voilà le salon, la table à manger, la cuisine. Venez vous faire du coup une pièce. En tout cas, c'est spacieux. Ah bah vous avez pas vu le reste. Première salle ici, c'est une chambre. Voilà. Allez-y, venez. Vous pouvez... Voilà la télé ici. Là on regarde des films. Comme... C'est ici un bureau pour les affaires. Voilà. Ah oui, il y a le bureau et tout. Ah bah on n'est pas là pour rigoler. On n'est pas là pour rigoler. Vas-y, vas-y. Là-bas. Alors cette pièce, je vous laisse entrer, regardez ce qu'il y a dedans, allez-y. Attendez, je fais le code. 4, 5, 6, 7. Allez-y, si vous pouvez entrer. D'accord, ok, pas de soucis, je rentre. Oula, voilà. Oula, c'est quoi tout ça? Alors, c'est quoi tout ça? Voilà, c'est là que font les affaires. L'argent, la drogue.
Ici, c'est là où on a que la base de données de la ville. Donc, à la fin, je vous dirai tous les trucs que je sais. Venez, on va faire ouais. Alors, tout d'abord, vous souhaitez savoir quoi un peu sur la ville? Parce que je sais beaucoup de choses. Bah après, je sais pas, à vous de voir ce que vous désirez partager à nous et aux citoyens. Écoutez, on vous écoute. D'accord. Ok, bah comme vous savez, il n'y a pas longtemps, le comité des entreprises a été braqué. Voilà. Donc les braqueurs sont tous en prison, de ce que j'ai compris. Mais que le maire de la ville que vous avez vu sur les vidéos, c'était un complice. Oula, comment ça? Voilà. Le maire de la ville, c'était un complice. Il a aidé au braquage pour donner les clés, tout ça. Voilà. La police, d'ailleurs. Il y en a plein qui mentent. Voilà. Ils donnent beaucoup d'informations aux autres organisations criminelles de la ville. Qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre, sinon? Parce que... Et pourquoi s'être mis avec la vue sur la base militaire? Alors en fait, on vous l'a caché, mais la base militaire, on n'en voit pas beaucoup des militaires. Nous, on voit souvent la tribu. Il y a une tribu qui est arrivée il n'y a pas longtemps. Et ben, on les a vus dans la base militaire se faire maltraiter. Donc si vous voyez cette vidéo, la tribu, force à vous. Il y a une tribu qui est arrivée en ville. C'est des gens un peu sauvages, à coups de machette. Ils ont des véhicules qui sont un peu abîmés, on va dire. Voilà. Des indigènes. Voilà. Des indigènes. Ah oui. Voilà. Je voulais dire un truc aussi. C'est que je voudrais parler à deux personnes en particulier. Shum Spide et Jerem. La prochaine fois que vous refaites ce que vous avez fait, ce sera pas mourir que vous aurez. Ce sera ça. Oula, 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 oula. Voilà. Ça fait pas mal de morts là. J'espère que j'ai été clair. Donc voilà. C'est ici. Comme je le dis tout à l'heure, le dernier message que j'aimerais passer, c'est que pendant 35 ans d'expérience, jamais j'ai été en prison. Donc franchement, ce message, c'est pour le maire, essaye d'améliorer la police parce que franchement c'est pas encore ça. Et puis je vais faire quand même une dédicace. Ok, ben allez-y, on vous écoute. Voilà. Alors 22, c'est le meilleur à l'esprit. Voilà. Donc je vais devoir faire quelque chose à ne pas reproduire. D'abord, quand même, je vais tirer en l'honneur de toute ma réussite dans la vie. Oula, on dirait un mariage de gitan, quoi. Voilà. Et bon, je vous souhaite une longue vie à vous. Et puis, au revoir. Hein? Mais où il va? Hein? Mais pourquoi? Mais pourquoi il... Je crois qu'il est mort. Mais pourquoi il a sauté? Je sais pas. Il voulait mettre fin à ses jours, peut-être. À tout à l'heure, il avait dit qu'il voulait partir, mais franchement, je pensais pas à ça. Hein.